que justement vous allez nous emmener dans un autre univers et quelque part où tous les cœurs vont battre, parce que c'est une magnifique chanson que j'aime beaucoup que vous allez interpréter. Une chanson pleine d'émotions. Exactement. De Madame Ginette Renaud. Voilà, c'est ça. J'ai besoin de ça. Bien, bien, mais vous n'allez pas chanter tout de suite, vous allez d'abord me dire d'où vous venez. Ben, je viens de Tamaris-sur-Mer. Voilà. Et de la Seine-sur-Mer. Eh bien, c'est bien. Avec votre joli nœud papillon en tissu, c'est très joli ça. Voilà. Eh bien, voilà, vous êtes tombée amoureuse de la chanson il y a beaucoup de temps ou peu de temps, ou comment ça se passe? J'ai chanté il y a très longtemps. Oui. Il y a eu une grosse coupure, vraiment une très très grosse coupure, pratiquement 40 ans, c'est sans ça. Chanter. Et j'ai repris il y a 3 ans. Eh ben, et formidable. C'est une passion qui est dévorante. Eh bien voilà, c'est très bien. Passion dévorante, messieurs, dames, voici Annie qui vous avoue qu'elle a besoin de parler. Peut-être pas à vous d'ailleurs, mais à celui de son cœur. Merci. Tu rentres du bureau, tu te sers un whisky. Parce que t'en as plein d'eau de te battre avec la vie. Tu me prends dans tes bras, mais tu me demandes même pas comment ça va. Tu t'assois dans ton coin, tu ne me dis jamais rien. Tu penses à tes affaires, c'est ton seul univers. Tellement que je me dis parfois que si je n'étais pas là, tu t'en apercevrais même pas. Tu t'en apercevrais même pas. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui voudrait simplement m'écouter. Dévore tes journaux, tout ce qui se passe entre nous, on dirait que tu t'en fous, mais ce qui se passe en Iran ou en Afghanistan, ça te passionne. Et quand tu me téléphones au milieu de la journée, c'est pour me demander ce que j'ai fait pour dîner. Mais qu'est-ce que tu dirais si un soir tu rentrais et tu ne trouvais plus